pour se rendre à Saint-Victor, il faut longer le fleuve et prendre à gauche la petite route qui serpente dans la colline. Quand on aperçoit l'église en pierre grise, les maisons tout autour, les champs de blé au loin, on y est. C'est Saint-Victor. Il y a la boulangère et son petit Paul, Marceline et le meunier son mari, Jasmine, Lucien et sa mauvaise humeur. Et puis, il y a le maire. C'est là que les choses se compliquent un peu. Le problème avec le maire, c'est lui. Son cher coq. Thank you.